Eh bien bonjour à tous, c'est Clem sur Gladif et aujourd'hui mes amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur FIFA Ultimate Team. Et oui c'est l'épisode 2, comment on va appeler ça, en route vers la Coupe Gold, oui je crois qu'on l'a appelé comme ça. Donc c'est tout simplement le quart de finale de la Coupe Gold avec notre équipe, notre squad builder qu'on a fait. Donc rappelez-vous, regardez, au premier tour on avait gagné 6-0, je dis on parce que oui je jouais avec... avec Enzinho en 2v1, donc voilà, on l'a tout simplement atomisé notre adversaire, un petit 6-0, en plus on jouait vraiment en déconnant et tout. Donc voilà, écoutez, regardez, 66 000 crédits, vous allez voir que pour ce quart de finale, l'équipe a pratiquement pas changé, mis à part le petit Falcao devant, Falcao 89 désormais. Voilà, donc une équipe vraiment pas changée. Tout simplement parce qu'avec les 66 000 que j'ai, je voudrais me créer une deuxième équipe. Donc une deuxième équipe assez costaud également. Donc c'est pour ça que je garde mes crédits. Je fais un peu d'achat-revente et tout ça. Et après, dès que j'aurai assez d'argent pour me faire une bonne équipe, eh ben, je m'en ferai une. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas choisi de changer énormément cet effectif, cette équipe. Et je voudrais remercier également... tous ceux qui ont commenté la vidéo, l'épisode 1, ça nous a franchement fait plaisir de voir que tout le monde avait des commentaires positifs, on va dire, des commentaires surtout constructifs, c'est le plus important, c'est ce qu'on recherche. Donc voilà, sincèrement un grand merci à vous tous et on va lancer ce quart de finale en espérant qu'on va trouver un adversaire assez rapidement. On va croiser les doigts, parce que ouais, en Coupe Gold c'est souvent long. Surtout à cette heure-ci, en fin d'après-midi, il n'y a pas grand monde, je trouve. Et voilà, c'est bon, parfait. On n'a pas attendu trop longtemps. Donc on est parti pour ce quart de finale. Allez, vas-y, choisis ton maillot. C'est bon, c'est parti. Alors on va voir l'équipe de notre adversaire. Oh, ça va. Franchement, les gars, il y a moyen. Il y a largement moyen de se faire plaisir, je pense. Il y a largement moyen. Ah, allez, c'est de bon augure. Un bon petit match, à mon avis, qui pourra sans doute nous ouvrir les portes des demi-finales. Allez, on va bien se concentrer. C'est parti, dans quelques instants, pour ce quart de finale de la Coupe Gold avec notre squad builder. Allez, on va faire... on va vraiment... essayer de s'appliquer au maximum dans ce match. Ça commence bien. Ah, dommage. Balotelli, c'est quand même un monstre. Hein. Physiquement, il n'y a rien à dire. Il en jette. Hein. Et Mangala, c'est encore... c'est vraiment le défenseur... c'est le meilleur défenseur, tout simplement, que j'ai testé jusqu'à présent. Franchement, je vous le conseille. Hein. Mangala en TOTS. Prenez-le, il n'y a pas de souci. Ouh, attention, première action, contrée, premier tir contré. Voilà, regardez Mangala, en plus il est rapide, il est grand. Sur les corners, il est très très précieux, que ce soit des corners défensifs ou offensifs. Il monte souvent en plus sur les corners, donc enfin il monte tout le temps vu sa grande taille. Et il met beaucoup de buts. Un petit peu comme Pepe ou bien Kaboul également. Ou David Luiz aussi qui met pas mal de têtes sur les corners et coups francs. Donc voilà, c'est vraiment des joueurs qui ont d'énormes capacités avec leur tête. Donc attention là, Falcao. Falcao qui déborde. Hop. Balotelli. Oh là là, et bel arrêt du gardien. C'est pas fini. Ah si, c'est... Non, c'est pas fini, Di Maria. Ah là, c'est dommage, c'est dommage. On domine quand même. Il y a moyen de faire quelque chose. Attention au contre. Belle frappe. Heureusement que notre adversaire n'a pas des joueurs très très rapides. Mais ce sont des joueurs vraiment très précis. Des mecs comme Juninho, etc. Beckham également, ils font vraiment des passes précises, millimétrées. Donc ça peut être très très dangereux. Alors que là, attention, avec un bon dégagement sur Balotelli. Allez, Balot. Oh oui, c'est joli ça, mon petit. Et but!
Go, 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 golazo de Balotelli! Très très joli but. Enfin, très. Alors, voilà, c'est un beau but, une belle contre-attaque bien menée. 1-0. 15 minutes de jeu. Bah, c'est parfait. On entame vraiment bien ce match. On espère que ça va continuer. C'est de bon augure, ça, il n'y a pas de souci. Attention, Thierry Henry là, il fait son show, hein, Henry. Il fait son show. Ouh là là, attention, et voilà. Et voilà, but de Rosales. Bon bah, première frappe du match, premier but pour eux également. 17 minutes de jeu, un partout. Ah, et la défense qui se trouve un petit peu. Ouais, j'ai envie de dire, voilà, c'est manga là, c'est très très rare, mais bon. J'ai envie de dire, c'est un petit peu. Ouais, on revoit surgir les petits défauts de FIFA où on se demande vraiment pourquoi le joueur tombe, le défenseur tombe comme ça. Je vois vraiment pas pourquoi, mais bon. C'est pas grave, on va se rattraper. Peut-être maintenant, là, déjà, avec Moutinho. Allez, joins-en, joins-en Moutinho. C'est bien ça. Frappe de Moutinho. Oh, la barre. Oh, la barre, corner. Ah, oh, c'est dommage, vraiment dommage. Allez. Coup de tête. Oh, aïe, aïe. Falcao. Goal. Radamel Falcao. Et goal, 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 goal. But de Falcao. Je crois que c'est Pépé qui frappe là, le gardien qui l'arrête des genoux, un petit peu comme un gardien de hockey. Et Falcao qui est là pour mettre sa tête surpuissante. Falcao, c'est vraiment le joueur de la tête. C'est un bijou. Ça, il n'y a rien à dire. C'est vraiment exceptionnel la précision qu'il a à mettre des têtes. J'aime vraiment ce type de joueur. Même s'il n'est pas très rapide. Ça, il n'y a pas de souci, ça c'est vrai. C'est un joueur qui, comme je l'ai dit, est précis. Et surtout des têtes. Les têtes, ça, c'est vraiment son domaine favori. Ouais, le gardien, il est là, c'est bon. Bon, on va se concentrer un petit peu. 23 minutes de jeu, je vous rappelle. 2-1 pour nous. Oh oui, Moutinho qui la sauve sur la ligne. Patrice Evra avec Balotelli. Balotelli qui la remet à Evra. Evra qui la remet à Balotelli. Allez, Falcao. Falcao pour Balotelli. Oh, il se fait plaisir. Petit ballot. Oh oui. Oh non, dommage. Ah, on l'a encore. On l'a encore, là encore à nous. Touche. Allez. On se concentre pour mettre le troisième but. Petit troisième but avant la pause, ce serait plutôt pas mal. On va surtout faire attention de ne pas se prendre un contre comme tout à l'heure. C'est bon. Daniel Alves. C'est tranquille. Allez, Balotelli maintenant. Aïe aïe aïe. On a vraiment du mal là en ce moment. Je vous le cache pas. J'ai du mal. Bien joué ça. Oui. Aïe 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 aïe. Manque pas grand chose à chaque fois. Et Moutinho vraiment aussi. Moutinho version boost. C'est vraiment le joueur. C'est un des milieux de terrain les plus incroyables que j'ai découvert en fait sur FUT. La version boost est magnifique. Franchement, je vous le conseille. C'est le joueur, c'est un milieu défensif, mais qui est plus tourné vers l'attaque que vers la défense. Attention, Di Maria. Eh oui, c'est le but de Di Maria. Goal, Di Maria. 3 buts à 1. C'est parfait, 36 minutes de jeu. Oui, donc comme je le disais, Moutinho version boost. C'est vraiment le joueur qui peut, comment dire, je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est le type de joueur qui peut créer pas mal de liens dans une équipe. Ça, il n'y a pas de souci avec ses passes précises. Il a aussi, même si ses stats de tir sont pas exceptionnelles, il a vraiment une bonne frappe, je trouve. Les stats ne reflètent pas vraiment la réalité. Et niveau centre aussi, j'aime bien. Bon, même s'il lui manque un petit peu de vitesse, ça c'est vrai. Mais bon, c'est un milieu central, donc... C'est un petit peu logique, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment un joueur vraiment. Ouais, je sais pas comment. Il n'y a pas vraiment d'adjectif assez clair pour le définir. C'est un joueur qui peut plaire à tout le monde, voilà, tout simplement. Un peu comme Mangala. Si vous aimez défendre, il vous plaira. Si vous êtes plus
vers l'attaque, il vous plaira également grâce à ses relances, etc. Donc c'est vraiment un joueur fait pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est vraiment, regardez, vous voyez, il joue milieu central, il est encore là pour aider les attaquants et les milieux latéraux. Et comme je vous l'ai dit, il y a également Mangala qui est derrière en défense, qui fait vraiment du super taf. Ça c'est une habitude. Allez, là peut-être un quatrième but avant la pause avec Falcao sur le côté qui déborde. Aïe aïe aïe, il avait vu. Il avait bien anticipé. L'arbitre qui va peut-être pas tarder à siffler la mi-temps. Ils vont peut-être marquer. Et non, c'est bon. C'est bon. Mi-temps. Oui, mi-temps. 3 buts à 1 pour nous. Bah écoutez, on va regarder les statistiques de cette première période. Et oui, voilà. C'est assez serré. Même si on domine légèrement, un tout petit peu plus que notre adversaire. Donc voilà, c'est parfait. On va essayer de mettre un quatrième but très rapidement dans cette seconde période, histoire de se mettre, peut-être pas définitivement à l'abri, mais au moins de se mettre à l'abri pendant une certaine période. Et ça nous permettra de souffler un petit peu. Allez, pourquoi pas là, avec Nani. Falcao. Et oui, voilà, but de Falcao, 48e minute de jeu. On a eu un peu de chance, c'est vrai. Ça fait toujours plaisir. Allez, 4 buts à 1. C'est parfait, Falcao qui marque. Les demi-finales s'approchent de plus en plus. Je pense que là, si on met un 5e but, l'adversaire se déconnectera, à mon avis. Allez, ça peut aller vite sur ce contre. Oh, il se rapproche du but. Non, non, j'aurais dû la tenter. J'ai voulu être trop gourmand au lieu de jouer plutôt l'efficacité. Mais bon, c'est pas grave. Prochaine action, on essaiera de mettre le ballon au fond des filets. Allez, pourquoi pas maintenant. Et Moutinho qui monte, hein, qui monte toujours. Il fait la passe direct, il se met en mouvement. C'est vraiment un joueur précieux au milieu de terrain. Et Falcao. Oh là là, oh, il y a faute, non? Oh non, même pas. Allez, voilà, Mangala qui est toujours là pour mettre le pied, c'est parfait. C'est ce qu'on aime. Allez. Allez, Di Maria. Oh, par contre, oui, Di Maria, c'est ça son point faible, son pied droit, vraiment médiocre, je trouve. On l'avait déjà dit lors de la première vidéo, mais Di Maria, pied droit, c'est pas génial. Hein. Et on fait avec. Hop. Allez, Balotelli maintenant. Balotelli. Pour Falcao. Falcao. Oh, yo, 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 yo. Oh. On va pas réussir à marquer ce 5e but, hein, je crois. Pourtant, il y a largement la place. Et oui, il y a faute. Carton, carton jaune, oui. Aïe aïe aïe, c'est mal joué. C'est très très mal joué de ma part. Allez, gardien. Allez, le face à face. Le face à face, et on le remporte. Oui, magnifique sortie du gardien. Il la frappe. Ouh. On a eu chaud. Allez, on respire un petit peu. Tranquille, tranquille, zen. Allez, Dani Alves. Ouh, c'est quoi ça? Oh, yo, 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 yo. C'est pas bien défendu, ça c'est pas bien défendu. Allez, centre, seul défenseur. Moutinho, l'arrêt du gardien, la parade. Corner. Pourquoi pas le 5e but au bout de ce corner? Non. Moutinho du gauche. Non, c'est pas vraiment ça encore. Allez, Dani Alves. Di Maria touche. Ah non. Ah si. Oh mince.
Bon, il Oh était les... sympa. Oh là là! Ouais, c'était joli, c'est sûr, mais au final, ça Ah m'a pas Mangala, rendu heureux. regardez sa vitesse! Regardez sa vitesse! Il récupère le ballon! Ah non! Peut-être Oh, avec sa c'était parfait. puissance non plus! Mais bon, il était là C'était quand même pour gêner super Thierry au Henry. bout des doigts. Thierry Henry, Non, oui. mais arrête. Thierry Henry dans cette équipe. On la perd. Ah, Oh, magnifique il y a Diego la Lopez. passe. Allez, Il y a pourquoi pas l'arrêt. le compte là avec un Il long récupère le ballon. dégagement. C'est le Oh compte. oui, ça passe! Ça passe! Pourquoi pas le cinquième Et ça but? repasse avec le gardien. Attention! Oui! Oh, la jolie frappe. Et oui! 5-1! But de Mario Balotelli, 73e minute de jeu. 5 buts à 1. Peu plus Ah sur non, le but. l'adversaire ne se déconnecte toujours pas. Ce nouveau but. Bon, je crois qu'il a envie de se prendre un sixième but. Oh. 5 buts à 1. Déjà 11 buts en l'espace de 2 matchs. Tout vite se Dans nos deux prendre. matchs de cette Bon, coupe. généreusement sur cette Franchement, passe. c'est parfait. C'est superbe. Donne à Allez, Mbappé. pourquoi pas un sixième. L'adversaire qui s'empare de ce Maintenant, ballon. peut-être avec Balotelli là sur le côté Oh, il gauche. passe. Oh non, j'ai Corner fait caca des arrangé. bulles. Le C'est nombre pas de grave. corners de part et Allez. d'autre. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va-t-il marquer Oui, la oh tête? la belle tête. Défenseur qui prend Heureusement sa qu'il y avait un défenseur sur la responsabilité. ligne. Di Maria. Ah, ça On va va être ballon peut-être perdu. se faire un peu plaisir. Hop, allez. Ça c'est Bien passe fait. le défenseur. Admirez la Ça c'est qualité de ses fait. dribbles là. Ça c'est fait. La frappe! Et oui, c'est le but. Très joli but, hein, je trouve. Ah, si vous aimez le Sixième rugby, but, ouais, vous pas mal. connaissez But de Di Antoine Maria, 6 Griezmann buts qui à vient 1. de crocher. C'est un score de tennis comme lors du premier Ça va match. être du grand art. Ah, il a pas vu grand-chose là. Oh Ouais, il semble prendre un désolé, avantage je m'excuse. qualitatif. Je m'excuse, il y a pas de souci. Attention quand même, On cherche restons le concentrés but. un petit peu. Faut bien la mettre, Oui, ça c'est va bien pas ça. dégager. C'est bien, c'est bien. Allez, Falcao. Ah, il saute pas. Il se livre sur ce tacle glissé. Xabi Alonso. Oh, c'est quoi cette passe? Pouf. Imoulou. Bon, il reste 7 Oh, c'est un beau minutes ballon. de jeu. Il a du Toujours 6 chaud. buts à 1. Attention, Attention. la frappe. Et non, 6-2. Oui. But de Donovan. 6-2, ouais, c'est pas Oui, grave. on est marqué Voilà, celui-ci. 6-2, c'est vraiment un match. Il Dans l'action, n'y a rien à dire, tout je à pense. l'ouïe. Encore addition sur Mounir, c'est Ça toujours passe dangereux pas. ça. En tout cas, Ça fait j'espère, les gars, plaisir que cette pour vidéo Thierry vous Henry. plaît. Et que la demi-finale Peut-être pas. sera un peu plus relevée parce que Ça là, lui a franchement, peut-être viré qu'il a ouais, du c'est pas pour me la soutien. péter, mais l'adversaire est un petit peu faible. Oh, le tir! Oi, 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 Le poteau. ballon qui heurte le poteau! Oi, oi, Oh, ils oi. sont passés tout Je près. pense que, ouais, avec un C'est peu plus d'application, on décidé. pourrait déjà Mais c'est gagner sûr. beaucoup plus. Il y avait mieux à faire là. C'est dommage. Un peu comme ouais, lors du premier tour. C'était un petit peu pareil. Match tellement simple, j'ai envie de dire que voilà, ça arrive souvent, ça surfute. Enfin, malheureusement ou heureusement, je sais pas, après, chacun son avis sur la question. Il y a souvent des gros fossés entre les équipes. La preuve là. Ah oui, il a du soutien, ça peut être dangereux. Attention. Ah oui, la passe bien là, on approche des buts. Oh, comme elle vient. Ah, il Ouh l'aura là là raté, là. quel dommage. Ah oh, ouais, il peut s'en vouloir parce que la passe était lumineuse. On va essayer de mettre un septième but, histoire d'en mettre un dernier. On va se Nesta. concentrer un petit peu lors de cette dernière Thierry minute. Henry. Oui, oui, oui. J'ai taclé, désolé. Allez, pourquoi pas maintenant? Maintenant, Balotelli. Avec Falcao. Oui, il la donne. Ah non, pourquoi je fais Ça la n'ira passe, pas moi? plus loin. Corner, même pas. Et l'arbitre qui va sans doute siffler à la fin du match. Non, pas encore. Et voilà, fin du match. Victoire 6 buts à 1, non? Était un petit peu Ah non, tendu sur excusez-moi, pas l'action de victoire. l'arbitre qui a hésité Pourquoi vraiment 6 à buts à 1? Non, siffler ça. 6-2, Ça donne une il y a carte 6-2. Ah bah si, fin du match. Fin du match, rouge à ce 6-2. début Bah de écoutez, pénalité parfait hein, les sifflé gars. par Franck. Parfait, qualifié Sifflet pour les en vert sur demi-finales. le dernier carré de cette On a fait compétition, une bonne petite notamment. vidéo là. La victoire est au bout. Voilà. 6-0 lors du 8e de finale. Et 6-2 lors de ce quart de finale. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, la demi-finale, oui. La demi-finale.
On gardera la même équipe, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, lorsqu'on aura gagné cette coupe Gold, je vous montrerai peut-être, si d'ici là, j'ai construit ma nouvelle équipe, je vous montrerai cette nouvelle équipe. Donc, écoutez les gars, likez, commentez, abonnez-vous. Commentez surtout, hein. Commentez, donnez-nous vos avis sur la vidéo. Et puis, on se dit à très très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé si des fois il y avait quelques petits blancs ou quoi. C'est pas évident, là en plus on reprend les vidéos doucement, tranquillement. En solo c'est pas évident, c'est vrai, on n'a pas vraiment l'habitude sur cette chaîne. Mais bon écoutez les gars, les vidéos en duo vont revenir en force là pendant les vacances. Donc je vous dis à très très bientôt, likez, commentez, abonnez-vous, faites tourner la chaîne, suivez-nous sur Twitter. Et puis tout ira bien, allez, salut à tous.